les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Donc, comme certains le savent, c'était mon anniversaire le 4 février. Donc, bon, je sais, vous allez me dire que j'ai pris du temps pour montrer mes cadeaux, tout ça. Mais en fait, j'attendais de recevoir mon colis de la Martinique de la part de mes parents pour vous filmer la vidéo. Donc, initialement, j'étais pas sans, enfin. Je pensais pas spécialement la filmer, mais comme pas mal d'entre vous m'ont demandé ce que j'avais reçu comme cadeau d'anniversaire et que j'ai une amie en Martinique qui m'a dit qu'elle aimait bien regarder ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, je me suis dit que j'allais vous filmer la vidéo. Alors, je vais commencer par ce que j'ai appelé la maman box. Donc, je suis vraiment désolée de vous le dire comme ça d'une façon aussi blip, mais c'est des produits que vous ne pourrez pas retrouver, vous ne pouvez pas acheter cette box. Voilà, vous ne pouvez pas l'acheter, c'est la box de Soline, c'est la box de Soline. Bref, voilà. Alors, j'ai eu plein de petites choses à manger, donc je vous montre. Ok, j'ai reçu le paquet hier, j'ai déjà ouvert des petites choses. C'est fait pour être mangé, hein, donc voilà. Alors, j'ai reçu des tamarins sucrés. Donc, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, mais je ne saurais pas comment vous expliquer. En fait, c'est une espèce de fruit chelou qui vient, je crois, du tamarinier et qu'en fait, on trempe dans du caramel. Et en fait, c'est un fruit qui est un petit peu acide et tout. Donc, avec le caramel, ça fait un mélange acide-sucré. Et c'est. Tu vois, tu te dis. C'est. Oh, c'est sympa. Tu vois, tu kiffes ta vibe. Et donc, voilà. J'ai eu du caramel pistache. Alors, en fait, je ne sais pas pourquoi j'appelle ça le caramel pistache. Parce qu'en fait, c'est fait avec du caramel et des cacahuètes. Mais je ne sais pas. Je l'appelle le caramel pistache. Allez savoir pourquoi. Donc, j'ai eu plein de caramel pistache. Qui va s'envoyer du caramel pistache? C'est Bibi. Ensuite, j'ai eu un petit livre de recettes asiatiques. Donc, ça a l'air vachement sympa. Il y a plein de recettes qui ont l'air vraiment top. Donc, je pense que je vais en essayer plus d'une. J'ai reçu des patates douces. Donc, je sais que ça peut paraître chelou de recevoir des patates douces. Mais bon, j'aime bien ça. Donc, voilà. J'ai reçu des patates douces. Trois, pour être plus précise. J'ai reçu également des bananes jaunes. Donc, bon, je n'en ai pas reçu que deux. Mais bon, entre hier et aujourd'hui, j'en ai déjà fait cuire, en fait, pour envoyer ça sur moi. Ensuite, j'ai eu des chachas. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gaufrettes fourrées au caramel enrobées de chocolat au lait. Ensuite, j'ai eu des pâtés au coco. Et j'ai également deux autres boîtes de pâtés à la banane, comme ça, donc que ma maman a fait. Ensuite, j'ai eu deux bougies. Donc je suis un peu dégoûtée parce que la deuxième, en fait, elle s'est cassée. Donc heureusement, j'avais un pot à bougies que j'allais recycler pour mettre des pinceaux. Mais bon, je me suis dit que j'allais mettre la bougie dedans. Donc, je l'ai déjà fait brûler hier soir. C'est une odeur un peu florale. Mais ça fait pas non plus trop fleur. Vous voyez, c'est un peu du style comme le patchouli. En fait, par exemple, le patchouli, ça a une odeur de fleur. Mais je trouve que ça fait un petit peu gourmand en même temps. Enfin bon, voilà. Si vous voyez ce que je veux vous dire. Donc bon, c'est une odeur comme ça. Je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait, le pot dans lequel c'était qui s'est cassé... Il y a des jolis motifs à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, il y a des motifs de sapin à l'intérieur. Et quand on allume la bougie, en fait, quand ça chauffe, ça fait des petits motifs sur le bocal. Donc, moi, je suis un peu dégoûtée. Mais comme il me reste celui-là, je suis quand même contente. Ensuite, j'ai eu des vêtements. Alors, j'ai eu deux vestes. Une en jean de chez ProMode. Elle est comme ça, il y a des petits motifs devant. Et il y a les mêmes en fait derrière, mais en beaucoup plus gros. J'ai eu une veste qui fait un petit peu sporty chic, je dirais. Parce qu'en fait, la coupe fait un peu sportive, comme il y a le. Ça se fronce en fait derrière. Ça fait un peu sportif, mais comme les motifs sont assez chic, et puis la matière aussi, c'est pas. Enfin. La matière fait pas jogging ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça fait un petit peu sporty chic, je trouve. Il y a des fleurs, des oiseaux et tout. Je trouve ça trop beau. J'ai eu deux jupes. Alors je suis genre trop contente parce que figurez-vous que ces temps-ci, je voulais grave m'acheter des jupes. À chaque fois, j'allais sur plein de sites, je regardais les jupes, je mettais dans un panier et puis je refermais la page. Et je suis trop contente parce que bon, j'avais pas dit à ma maman que je voulais des jupes, mais j'ai eu des jupes. Donc il y en a une avec des petites fleurs. Comme ça, elle est trop belle. Vous voyez, elle fait trop cute. Elle fait trop cute. Et je me dis, je vais mettre ma jupe avec mes bottes cloutées. La rage du ghetto, comme ça fera, vous voyez. Cute, mais dans la rage. Cute, mais dans la rage. Toujours, toujours. Voilà. Ensuite, j'ai eu une jupe, j'allais dire droite. Elle n'est pas droite, c'est une jupe trapèze. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Avec des petits motifs de fleurs dessus.
Elle est rouge rose bordeaux façon. Je ne sais pas à la caméra comment, de quelle couleur vous la voyez, mais c'est du rouge bordeaux avec une pointe de rose, vous voyez? Pour être précis. Donc toujours de chez ProMode, en fait, tous les vêtements que ma maman m'a pris sont de chez ProMode. Et pour finir, j'ai une robe noire. Et pareil, c'est une robe un peu style trapèze façon, enfin je ne saurais pas comment expliquer. Il y a des bandes horizontales sur le haut et ensuite sur la partie jupette, c'est des bandes verticales. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà les amis, c'est tout pour la maman box. Donc c'est beaucoup de choses, hein. Je suis totalement d'accord avec vous, même si vous ne me l'avez pas dit, mais je sens que c'est ce que vous vous dites. Voilà. Ensuite, je vais passer à ce que mes amis m'ont offert. J'ai une amie qui m'a offert un gel douche, l'essence de Marrakech, douche ancestrale au patchouli. Donc, on nous dit gel douche nettoyant à base d'aloe vera et au parfum précieux de patchouli. Et elle m'a également offert, toujours d'essence de Marrakech, un pur gommage fondant. Donc, pour le visage, il va falloir que je vous fasse une revue de ces deux produits-là parce qu'en fait, je n'en peux plus de ma vie. Je n'en peux plus de ma vie. C'est-à-dire que je suis tombée amoureuse. Je suis tombée amoureuse. In love. In love. I'm crazy in love. Je suis. Mais c'est compliqué pour moi, les amis. Je vous le dis franchement. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans pas longtemps, je vais m'acheter le lait pour le corps au patchouli pour aller avec mon gel douche. Je vous explique que, bien entendu, comme je suis tombée amoureuse du gel douche, il est déjà ici. Voilà, sur la bouteille. Ce qui commence à me stresser, je me dis, mince, le gel douche va se terminer, Soline. Qu'est-ce que tu vas faire quand ton gel douche sera terminé? J'ai d'autres gels douche chez moi. Mais c'est lui que j'aime, en fait. Donc, bref, en fait, je pense que je vais me racheter le gel douche et puis que je vais acheter la crème pour le corps. Et puis, bon, je vais sûrement étendre ma gamme parce que l'essence de Marrakech, là, ça a parlé à mon cœur, ça a parlé à mon cœur. Ensuite, elle m'a offert une palette de fard à paupières de la marque Paul & Joe. Donc, voilà. C'est très sympa. J'aime beaucoup le blanc parce que ça apporte un côté très pailleté. Et le noir est vraiment très pigmenté. Le bronze au milieu, je vois pas trop la couleur, mais c'est juste parce qu'en fait, je suis de la même couleur. C'est pour ça. Voilà. Mais c'est super génial. Et elle m'a également offert un mascara Guerlain en teinte mocha. Donc, c'est le mascara Maxi Lash. Ensuite, j'ai un ami qui m'a demandé ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire, qui avait prévu un certain budget pour mon cadeau et tout. Et en fait, je voulais une routine soin du visage parce que la mienne était terminée et que je n'avais tout simplement plus de produits pour le visage. Donc, il a été très gentil. Il m'a racheté toute une routine de produits pour le visage. Donc, j'ai pris une routine de la marque Hunt. C'est pour les personnes qui ont des taches au niveau du visage, donc il va également falloir que je vous fasse une revue parce que je trouve cette gamme-là trop géniale. Donc j'ai pris le nettoyant, j'ai pris le tonique illuminant, j'ai pris le sérum et j'ai pris la crème. Donc voilà, j'ai pris toute la gamme carrément. Donc c'est les produits comme ça, Hunt. Ensuite, Emeric m'a offert une peluche, donc c'est Marie des Aristochats. Et puis, il m'a également prévu un autre cadeau, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc, comme c'est quand même un assez gros cadeau, quand il sera là, forcément, je vous en ferai une vidéo et vous verrez ce que c'était. Ensuite, j'ai des amis qui m'ont offert une petite carte. Voilà. Et à l'intérieur, qu'ils ont dédicacée. Donc, ça m'a trop fait plaisir. J'ai pris la carte pour vous la montrer, mais en fait, je la mets au-dessus de mon lit, au-dessus de mon cadre qui illumine, qui fait un cœur. Pour ceux qui ont déjà vu, je crois, mes photos sur Instagram. Donc voilà, je suis trop contente. Je trouve que ma carte est trop trop belle. Ensuite, j'ai eu un gilet gris chiné, uncut. Je pense que je vous mettrai des photos. Voilà, il est gris et orange. Donc, je surkiffe ce gilet-là. Je le surkiffe. C'est-à-dire que je le mets tout le temps. Je le mets tout le temps. Et quand il passe à la machine à laver, je me sens tellement mal. Je me dis, mince, qu'est-ce que je pourrais mettre? Si mon gilet était là, j'aurais pu le mettre, vous voyez? Donc voilà, ça me stresse grave, mais bon, tout ça pour dire que je le surkiffe. Il est trop trop beau. J'ai aussi eu un haut mini. Non, mais est-ce que vous voyez comment le haut est beau? Non, mais parce qu'on se pose la question, est-ce que vous voyez? Je remets pour que vous voyez bien. Il est comme ça avec des manches un peu chauve-souris et tout. Et donc, je le trouve trop génial. Je me dis que vraiment, mes amis me connaissent vraiment trop, trop bien. Me connaissent trop bien.
Ce t-shirt-là, il est trop magnifique. En plus, sur les oreilles, il y a écrit Minnie Mouse. Enfin, c'est le haut de ma vie. Quand je vous dis que c'est le haut de ma vie, c'est-à-dire que figurez-vous qu'à chaque fois que je vais à Disney Village, je regarde ce haut-là et je me dis, punaise, il est trop beau. Et puis bon, comme c'est pas spécialement dans mon budget, je repars chez moi tranquillement. Et là, on me l'a offert sans que j'aie à dire, hello. En fait, je kiffe ce haut-là. Ils se sont dit, oh là là, ce haut-là, ça ressemble au genre de truc que Céline aimerait. Et donc, voilà. Ensuite, toujours, j'ai eu le blush rocateur de chez Benefit. Donc, je vous en ai déjà pas mal parlé. Je vous ai déjà fait des tutos avec. J'ai mis la photo sur Instagram. Enfin, voilà, je le surkiffe. Je l'avais vu dans une vidéo de Kimi Beauté. Et il est trop génial, ce blush-là. Et pour finir, j'ai reçu un vernis Sephora. Donc, qui est bleu avec des reflets et tout. D'ailleurs, c'est celui que j'ai sur mes ongles. Je n'ai pas voulu l'enlever, même s'il était tout cracra, parce que je voulais en fait vous montrer ce que ça donnait. Et donc, voilà, c'est cette couleur-là. Donc, ne faites pas attention. Je sais que je dois refaire ma manucure. D'ailleurs, dès que j'ai fini cette vidéo et que j'arrête de filmer, je vais et j'enlève mon vernis. Voilà. Donc, j'espère n'avoir rien oublié, puisque ben, la plupart de mes cadeaux, je les ai reçus ben, le jour de mon anniversaire ou dans la semaine, tout simplement. Mais j'attendais vraiment de recevoir ben, le colis de mes parents pour vous montrer. Mon amie Célia m'a dit qu'elle allait me faire un collier, puisque bon, elle fait des bijoux. C'est elle qui m'avait fait ce collier-là, donc elle m'a dit qu'elle allait me faire pas un collier, qu'elle allait me faire un bijou. Voilà, donc je ne l'ai pas encore vu, donc je n'ai pas encore pu récupérer mon cadeau. Et mon ami Alexis m'a dit que ce qu'elle m'avait pris n'était pas encore arrivé. Donc voilà, mais bon, je me suis dit que j'allais pas non plus vous poster la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire au mois de mars. Voilà, comme c'était un petit peu le 4 février. Donc, j'espère que ma petite vidéo aura pu vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! Smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still leaning when I